Avec VIF, on travaille ensemble pour apporter la solution matérielle en fait, sur la traçabilité, donc sur les lecteurs de code à barre, et donc embarquer les applications développées par VIF sur les terminaux. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'une édition comme AgroVIF? Qu'est-ce que vous attendez de ces jours? Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Alors, je suis venu là surtout pour pouvoir voir justement les nouvelles applications donc, que va proposer VIF demain à leurs clients, puisque c'est intéressant pour nous de savoir quel est leur métier, quelles sont les problématiques de leurs clients pour pouvoir mieux y répondre ensemble. Et puis là, cet atelier était très intéressant puisque c'était justement l'usine du futur, donc avec toutes les notions de capteurs connectés sur les machines et pouvoir donc donner encore plus d'informations auprès des exploitants pour pouvoir prendre des décisions en temps réel et pouvoir donc mieux interagir avec leur ligne de production. Donc ça, c'est un sujet qui est en vogue en ce moment. Essayer de connecter un maximum les équipements, c'est quelque chose que les industriels attendent. Tout à fait. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir gagner en productivité. Toujours, chaque seconde compte hein, dans les industries d'une manière générale. Et donc, ces outils vont permettre de pouvoir accélérer en fait, les prises de décision et donc optimiser la production au niveau de l'agroalimentaire, en l'occurrence. Voilà. Merci beaucoup.